au château de Launay en fait. Donc c'est le dernier jour de notre vendange 2015. On est parmi les, je pense que c'est probablement le dernier jour de vendange dans tout le vignoble du Muscadet. Alors pour parler rapidement du terroir, ici on est plus ou moins au centre géographique de l'appellation Muscadet-Sèvres-et-Maine. Tu vois là-bas à distance, on aperçoit depuis l'Aulnay énormément de villages. Le village de Saint-Fiacre, de Laye-Foissière, on voit même la ville de Nantes et la tour de Bretagne. Et on aperçoit au fond un premier vallon qui est en fait le vallon de la Maine, qui est une première rivière qui coule dans notre région. Puis ensuite on voit une butte de vignobles qui derrière retombe dans un deuxième vallon qui est la rivière de la Sèvre. Donc en fait ce château, le château de Launay, il est situé exactement au confluent des deux rivières, la Sèvre et la Maine, ce qui en fait un endroit vraiment hors du commun dans le Muscadet. Bien, la vigne que je vendange, là, elle a 80 ans. Elle a été plantée dans la génération de mon grand-père. Et aujourd'hui, elle fournit peut-être ses plus belles qualités de raisin. Le grand plaisir, c'est d'avoir des années après un aussi joli raisin. Et puis, pour moi qui commence à prendre un petit peu d'âge, c'est de constater que la vigne se renouvelle, comme les générations de vignerons. Depuis que nous sommes revenus avec mon frère François, on a décidé d'impulser quelques modifications sur nos pratiques viticoles, puisque nous sommes en première année de conversion vers l'agriculture biologique sur ce domaine. Donc comme tu peux le voir, les sols ils sont recouverts par toute une diversité de plantes qui sont présentes naturellement. On n'utilise plus aucun produit chimique sur ces parcelles. Et tout le désherbage en particulier est fait mécaniquement grâce à des charrues. Ça permet d'entretenir une meilleure biodiversité, un meilleur équilibre écologique, et pour la plante c'est vraiment optimal. Ici on est sur les crus Château Thébault. Donc le cru Château Thébault, c'est la reconnaissance. C'est un sujet, un dossier que lorsque j'étais jeune vigneron, on aspirait à faire reconnaître nos meilleurs terroirs. Et ça a été un travail de 30 années auquel j'ai participé, c'est vrai, en menant un peu ce dossier au sein de l'appellation Sèvres-et-Maine. Mais aujourd'hui, on a cette satisfaction d'avoir fait reconnaître l'appellation Château Thébault, qui est devenue notre emblème, l'emblème de la maison Liébault.